Allez, on va parler des juifs un peu. Ah, ça faisait longtemps, les gars. Parce que j'ai fait mon premier kippour cette semaine. Hein, c'est une fête juive. C'est une fête juive. C'est mon premier kippour. En fait, c'est un jeûne. Hein, on n'a pas la même notion de fête. C'est 25 heures. T'as pas le droit de manger, pas le droit de boire, pas d'électricité et aucune distraction, mec. Stephen Hawking. T'as faim, t'as soif et t'as pas d'électricité. C'est une répétition pour cet hiver, les gars. Et autant pas boire, pas manger, j'étais prêt, tu vois. Mais pas d'électricité. Je savais pas, quand on a éteint les lumières, j'étais bon, ok, le prix du kilowatt explose, mais on est juif à ce point-là. Il y en a même qui font le jeûne de la parole. Bon, pas ma meuf, malheureusement. Elle faisait que me parler, en fait, de notre mariage, en boucle, en boucle, en boucle. Et moi, j'avais faim, j'avais la gorge sèche, et je me disais, waouh, ça fait combien de temps? 6 minutes. Ok. Et elle continuait, et je veux une plage, et du caviar, et des violons. Et moi, je me disais, mais combien d'argent je vais devoir dépenser pour qu'elle ferme sa gueule jusqu'à ce que la mort nous sépare. Parce que c'est ça le mariage. Combien d'argent je dois claquer pour qu'elle me lâche les côtes? Et quoi que je fasse, c'est jamais assez. Hein, elle veut qu'on se marie, elle veut que je fasse kippour, elle veut que je me convertisse. Et ma mère veut pas que je me convertisse. Hein, donc quoi qu'il arrive, une femme me fera chier. Mais je me convertis quand même, hein, parce que le calcul il est simple. Ma mère a 60 ans, ma femme en a 30. Laquelle de ces deux connasses vais-je devoir supporter le plus longtemps, les gars? J'avoue, j'abuse un peu, là. Juste après Kippour, en plus, je débite un peu mon karma. Mais je peux parce que c'est le jour du grand pardon. En fait, Kippour, ça veut dire que Dieu m'a pardonné tous mes péchés. Quelle erreur! Efface pas l'ardoise d'un alcoolique, frérot. Si tu régularises mon compte, je vais creuser mon découvert, mec. Même pendant mes prières, hein, je disais à Dieu, mais t'es sûr de toi? Je priais avec le même sourire que Balkany quand il sort du tribunal. Je priais pas comme ça, je priais comme ça. Ah, je vais aller en enfer, c'est sûr, les gars. Mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas parce qu'à partir du moment où tu sais que t'y vas, t'es libre d'être un connard. Hein, une fois que je sais que je vais en enfer, compte pas sur moi pour me lever dans le bus. Hein. Bah ouais, mamie, fais-toi les cuisses un peu. Ça va te servir pour monter les marches du paradis. Merci d'avoir écouté, les amis. C'est la chronique de ta mère. Mon premier kippour.